Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec cette magnifique classe à 2019 de Hugo. Donc, on va aller le retrouver. Il est dans la voiture. C'est parti. Ça filme, c'est parfait. Comment tu vas, Hugo? Tu vas bien? Content de te retrouver encore une fois sur la chaîne avec un nouveau modèle. Donc, t'avais la classe 2014, il me semble. T'as un A200 diesel de 220 ou 200? Dans 220, ouais, et elle, c'est une A200. Ok, voilà. Super. Donc là, on a un 4 cylindres de 163 chevaux. On va rouler un peu et je vous en dirai plus sur la voiture. Yes. Le 0 à 100 en 8 secondes. Elle a 250 Nm de couple. Avec un régime de 5500 tours par minute. Donc elle a de nouvelles technologies, je vous en parlerai quand on roulera. Bien évidemment, le Mercedes, mais je vais pas le dire trop fort puisque sinon il va s'activer. Là on se met en drive, clignotant, et le rétro un petit peu. Voilà, let's go. Donc on va parler déjà en termes de confort, au niveau des sièges, etc. C'est plutôt pas mal, moi déjà j'aime bien. On sent bien la route parce que la voiture elle est assez basse. Mais bon, sur les classes A, c'est réputé pour. Elle est un petit peu plus longue que la classe A de 2014. Donc là, celle-ci, elle fait 4,30 m de long, il me semble. Et au niveau de l'intérieur, j'aime beaucoup parce que on a le digital cockpit, il me semble. C'est assez agréable en termes de visuel et de toucher parce que c'est tactile. On regardera ça tout à l'heure. Donc voilà. Donc voilà les amis, on a un toit panoramique. 10 Mercedes. Oui. Change la couleur. Pardon ? Couleur verte. Ok, je change la couleur. Voilà, donc comme vous pouvez le voir là, la couleur est devenue verte avec la nouvelle reconnaissance vocale. On peut faire beaucoup de choses, comme changer la clim, ouvrir le toit panoramique. 10 Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Ouvrir le store. D'accord. J'ouvre le store par soleil. Donc c'est un diesel, hein. Une traction. Donc c'est une traction en termes de transmission. Ouais. Donc voilà. On a les palettes au volant, bien évidemment. On va essayer. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. On a un petit son sympa, même si c'est un diesel. Bon, c'est assez couplé, hein. 250 Nm de couple pour une citadine, ça le fait, hein. Donc voilà. Et puis voilà, non, j'aime bien, franchement. C'est un beau daily pour tous les jours. Toi, tu l'utilises pour tous les jours d'ailleurs. Ouais. Ah, bah ouais, voilà, c'est un véhicule qui fait 50 000 euros. 50 000 euros à peu près. Avec remise 47. Ah, tu fais des modifications sur la voiture? Oui, les vitres teintées à l'avant et les plaques, c'est tout. D'accord. La voiture restera entièrement d'origine. Alors du coup, quels sont les défauts et qualités que tu lui trouves à cette voiture du coup? Qualité, c'est que rapport poids-puissance, ça fait le taf. Ouais. Le look, on dirait une mini classe S. Ouais. D'ailleurs, c'est le jour et la nuit. Et défaut. Ce serait dur de la critiquer, peut-être tu penses? Un peu plus de bruit, ouais. Mais après, ça va. Mais sinon, ça va, ça se conduit bien. C'est souple, tu vois, il n'y a pas de difficulté à la conduire. Donc voilà, c'est une A200 et on a une petite sonorité, franchement, c'est plutôt pas mal. Après, comme le dit Hugo, il en voudrait plus. Mais faut laisser ça aussi au modèle supérieur. Sinon, après, c'est sûr qu'on n'aura plus trop de différence entre une A200 et par exemple A250. 250. Puis voilà. Une bonne double embrayage, donc forcément les pas au niveau des rapports, c'est assez rapide. Et voilà, franchement, c'est ça va, c'est cool.
Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Et merci à Hugo de nous avoir fait partager ce moment dans cette magnifique classe qui est donc la sienne. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt. Salut Hugo. Salut.